Je m'appelle Bagher Chen. Quand ma mère elle était enceinte, il y a un guérilla qui est venu chez nous. Ma mère et mon père, ils étaient guérillas pour le combattre les Kurdes. Un jour, mon père il a dit que Ramzi, c'est compliqué de faire un enfant. Tu es enceinte, peut-être on peut rentrer dans la prison, peut-être on peut mourir. Non, non, tout, c'était une situation très difficile pour les Kurdes. Ils ont décidé d'aller à l'hôpital et ils ne veulent pas que je vienne sur la terre. Plusieurs villages sont en train de bombarder avec l'avion. Plusieurs personnes sont en train de mourir. On ne sait pas qui mourir, comment mourir. Si quelqu'un qui dit je suis kurde, deuxième jour il meurt. Les radicals islam, Hezbollah, ils sont mis dans le béton, le kurde, les journalistes, les activistes. Cette guérilla, il écoute cette histoire, il dit pourquoi vous faites comme ça? On doit combattre pour le futur de notre enfant. Il fait une négociée, ma famille a accepté de prendre responsabilité. Dans quelques mois, la police il a trouvé cette personne avec le Kalachnikov, plusieurs personnes, plusieurs voitures. Il dit il faut qu'il te rende dans la prison. Tu es terroriste. Et il dit moi j'accepte pas. Et il fait guerre jusqu'à la fin de la pistole. Et dernière, il reste une pour liberté. Il tue lui-même. Tout le peuple, il a vu ça. Et ma mère, il a pris son corps. La police, il a tapé ma mère, le ventre de la ma mère. Et ma mère, elle dit qui on va voir. Bagher, il va venir. Je suis venu une semaine après. Ma mère, il a mis mon nom Bagher. Cette guérilla, il s'appelle Kotnom Bagher. Quand j'étais enfant, toujours je faisais de la musique, je tape sur le tape, toujours je cherche le rythme. Ma prof, il invite ma famille, il dit il faut envoyer Bagher musique de collège, mais cette maman, il sait quoi la musique, il faut aller être docteur, être médecin, je ne sais pas. J'ai grandi à Mersin, bord de la mer, en face de la Chypre. J'aime bien, c'est une ville méditerranée avec une culture chaleureuse. J'ai habité avec ma famille et je faisais ma musique. 1, 2. Ménise, elle a appris à marcher avec le danse. Chaque jour, je chante. Elle danse, mais elle ne peut pas marcher. Quand elle danse, elle est tranquille, elle marche. Pour notre enfant, on peut gagner quelque chose. Pour vivre plus avec le color, la paix avec joyeuse. J'ai fait du théâtre 18 ans. À cause du théâtre, je suis rentré dans la prison. Et j'ai commencé dans la prison ma musique. 12 années et demie, j'ai passé toujours du temps avec les instruments. Après, j'ai décidé que je ne veux pas travailler, je veux apprendre la musique. Et tout de suite, j'ai pris une def et j'ai commencé dans la rue. Et chaque jour, on gagnait par exemple 30 francs. 10 francs kebab, d'accord, 10 francs cigarettes, 10 francs je donne ma famille. Vraiment. C'est les années qui passent comme ça. Ok, on n'a pas de bon les habits, on n'a pas de bon manger, mais on apprend toujours la musique et on partage toujours la musique. On a bien avancé dans la rue. J'ai rencontré avec une personne qui joue santour. J'ai dit, waouh, cet instrument, il me parle, c'est très bien. J'étais dans une maison d'étudiants. 3 jours, on n'a pas dormi. À cause de moi, quand je joue, parce que je ne connais pas, il n'y a pas de prof. Je joue tam. 3e jour, on est parti dans la rue avec santour. Dans 2 semaines, je joue tout le répertoire. Notre groupe, il a avancé, même il est devenu 3-4 groupes. J'ai fait des manifestations dans ma vie.
J'ai besoin d'une formation avec ma langue. La police m'a écrit un dossier, porte-plainte. Je ne peux pas protéger ma langue maternelle parce que c'est kurde. Centre, il me permet de me soigner avec mes douleurs. Dernier moment, j'ai eu quelques violences. Pourquoi tout chante kurde, tu es terroriste, tu connais marche de turc. Et c'est pas facile de vivre chaque jour provocation. Ils voient que tu es terroriste. Avec ma langue, avec ma culture, il y a toujours un problème, police. Il m'arrête, il essaie de prendre mon instrument. J'ai vécu plusieurs provocations. 12 années, je donne mon combat avec le journal, l'article, avec politiciens, avec syndicats. Et dernier moment, ça vient beaucoup compliqué. Je ne peux pas rester en médecine parce que police, il vient sur moi, il m'attaque. Si je ne suis pas parti, je vais retourner en prison. Prépare-toi-même, tu iras en Europe, tu feras à l'université et beaucoup de projets sociaux. C'était très difficile pour ma mère. Je les ai regardés et j'ai dit que ne vous inquiétez pas, on va se voir dans quelques années. Elle était très triste. J'ai appris le bus pour partir. En même temps, elle a appris de l'ambulance. Pour liberté de ma musique, ma culture, pour la démocratie, pour le social. Je suis venu à Genève 2019. Je ne peux pas parler français. En plus, il y avait du corona. Et je suis rentré dans ces différents foyers ateliers avec les enfants. On a déjà vécu beaucoup de choses, perdu beaucoup de choses. On ne va pas lâcher notre enfant vers notre culture. Je voudrais m'inscrire à la Etocole Musique Genève. Je peux mettre quelques pierres académiques. Pour rentrer, c'est obligatoire de jouer piano. Comme une réfugiée qui habite dans une 7 mètres carrés, j'apprends intensivement le piano. Je travaille moi-même avec Viva Sanchez. Donnez un dossier, protocole musique d'Alcross. Ils ont dit que Baguette, on va vous donner 3 cours. Tu vas apprendre solfège, mouvement de piano. 12 années, je suis au Dalcross. Matin, j'ai pris cours de Dalcross. Et après-midi, je suis parti, je donne pour les enfants de réfugiés. Doucement. La même cours que j'ai appris, qui on a marché, on a tapé, on a chanté. Hamoudi. 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 Amoudi. Bagheri. 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 7 mètres carrés. Je dois travailler mouvement, je ne peux pas. Piano, il est déjà grand, avec plusieurs instruments. Je perds tous mes espoirs. Et j'ai pas réussi l'examen. Je fais musique, une sécurité agent, il vient dans ma chambre, il m'insulte, il m'a invité à l'extérieur comme des hommes.
Je peux pas jouer mon dev. Mon centre. Intensif pour moi. Pas facile. J'ai vu que concert, c'est annulé. Course, c'est annulé. Qu'est-ce que je vais faire? Je me demande, Bagheer, tu es qui? Pourquoi tu es ici? Quel est ton rôle en Suisse? Le ciel, il nous expliquait de l'empathie. On va passer un siècle d'empathie. Dans ma maison, et j'avais dit une enfant à Simon. Ah, si. J'ai observé que s'il y a une courbeau, il tombe sur la terre. Toutes les courbeaux deviennent solidaires et ils donnent son effort. Une façon d'intellectualité, spirituelle en plus, une connexion ultra empathique. J'ai pris ce message et j'ai essayé d'intégrer dans ma maison, dans la feuille de pressage. J'ai donné moi-même une promesse avec Asima. J'ai fait plus empathie avec les enfants, n'importe quelle nationalité. On a construit une initiative dans le foyer. On a pris responsabilité pour changer la situation de foyer avec art. Nous savons que les droits de réfugiés font partie des droits de l'homme. Les droits humains et contre la discrimination, le racisme, l'inégalité et l'exploitation. J'ai arrêté politique, je suis devenu artiste derrière 7 mois après cette violence et j'ai vu que ça marche, je vais continuer à être artiste. Festival Asima, c'était notre premier projet d'initiative normand pour changer la situation de foyer avec art. Une petite question, pourquoi on n'a pas d'abri? Pourquoi on n'a pas d'abri? Prochaine l'arrêt de Lulière, il y a l'abri, il y a tente sur l'arrêt de bus. Et avant l'arrêt, pour Blanche-Marie, il y a un abri, l'arrêt de bus. Ah, Simon, il n'aime pas ça. Viens, Simon. Gueule, Yavro. Depuis longtemps, Saint-Ouge, il utilise pour la musique thérapie. Ça nous donne une chose triste, mais ça nous donne aussi, on exprime avec cette tristesse. On jette l'extérieur de cette tristesse. Et j'ai créé un projet pour construire un groupe orchestral. J'ai partagé mon idée avec les amis et on a construit Jupiter. On a commencé des premières répétitions. Enfin, grande préparation pour Nervos. Intégrer notre couleur différente dans une ambiance unie. On a fait un grand projet, différents foyers à la Grande Théâtre. Le projet de Nervos, c'était une idée d'initiative Namou. On va faire un côté droit humain, pour le droit culturel aussi. Les autres côtés aussi artistiques, pédagogie.
fais de la musique pour me libérer. Comme la première rituelle, notre grand-mère, grand-père, ils ont fait à la Mésopotamie. Mes compétences, il a une vision de responsabilité sociale. J'ai fait une recherche sur Google. Rythmique, dalcross, rythmothérapie. Peut-être qu'il y a quelques départements au Canada. J'ai trouvé cet département. Même je ne savais pas que Belgique il parle français. Je veux partir en Belgique, je veux rentrer l'examen de département rythme et rythmique. Art avec une façon de thérapie sociale et ethnomusicologique. Si je veux réussir, je veux partir en Belgique. Quand on a cherché un autre droit, c'était une bonne possibilité de devenir artiste. Pour rester en face de l'injustice, avec l'art. En Suisse, en plus, il y a un bon système pour la démocratie, pour le social. J'avais envie de construire une équipe artiste. Quelle date? On peut décider ensemble. Avant ça, est-ce que quelqu'un qui a quelques analyses, quelques propositions? Projet d'assemblée rythmique ensemble, créer quelque chose pour améliorer la situation de réfugiés. Dans une semaine, on a commencé à faire pratiquement cours. Une pédagogie rythmique. Mouvement. Musique, rythmothérapie. Ils nous permettent de toucher le social, faire mieux. Comme la première rituelle, notre grand-mère, grand-père, ils ont fait à la Mésopotamie. L'art, danse, musique, c'était pour sacrifier le social. Pour ça, j'ai essayé de garder cette vision. C'est quoi la note du rouge? La note du rouge, c'est un mi. C'est comment? Hein? Moi, je suis d'accord. C'est, si, tu rouge, chantes, si tu chantes le rouge, c'est comment le son du rouge? Ah non, c'est un do alors. Là, ou un mi, ouais, je sais pas. Baguette, tu vas connaître. La note du rouge. Les gens ils disent qu'il y a des couleurs pour chaque chakra, mais en fait, c'est pour l'esprit humain que en fait une couleur ça nous aide à associer certaines idées et que voilà, je sais pas par rapport aux fréquences si ça, des fréquences peuvent créer une couleur. Voilà, c'est bien. Je pense que pas vraiment. En fait. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi pas rouge? Pas brown. Réponds à la question. Pourquoi? Attends. Pourquoi? Dis-moi. Moi, c'est une question que je me pose dans ma tête, mais je ne sais pas pourquoi. Imagine pourquoi. Ouais. T'as nos réponses. Je voudrais la réponse. J'ai la réponse. S'il vous plaît. C'est genre, c'est la planète bleue, en fait. On est des poissons. En train de naviguer dans l'espace. Yeah.
J'ai très aimé l'ambiance à Sonarétique. Ça nous touche. On ne fait pas seulement la musique. On vit et on essaie de valoriser notre côté de humaniste pour donner quelque chose aux autres. Ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız.